Donc Alone Together, c'est notre nouvelle série. Elle est en cours d'écriture, donc par moi-même et avec l'aide de Julie Martin. Donc cette fois-ci, elle raconte l'histoire de 7 jeunes. Donc dans les 7 jeunes, on retrouve des têtes connues. Alors, on a Florian Schex, qui est déjà apparu dans Ghost Whisperer et dans le film de TPE de l'année dernière. On a Alison Vitoz, qui est pareil, qui a fait une apparition dans Ghost Whisperer et dans le film de TPE de l'année dernière. On a l'inimitable Elisabeth Thiago. On a aussi Winael Sibilia. Pour ceux qui l'ont reconnu, elle joue Sand dans Ghost Whisperer, avec une perruque. Mais on a aussi des nouveaux, avec Coraline Machoura, qui elle donc fait plutôt du théâtre, mais qui nous rejoint donc dans le rôle de Sophie dans Alone Together. On a aussi Thomas qui nous rejoint pour incarner Matt dans cette nouvelle série. Et puis Soline Drouard, qui va donc incarner la sœur de Mathieu. Vous entendez ça ? L'histoire va suivre 7 jeunes qui sont transportés dans un village qui semble vide. Je ne vais pas donner trop d'informations parce que même les acteurs ne savent pas ce qui va leur arriver. Donc ces 7 jeunes qui sont arrivés là vont donc chercher à sortir du village. Mais ça risque d'être un peu plus compliqué qu'ils ne le croient. Voilà. Donc cette fois on sort complètement des fantômes et... Cette fois-ci, on est dans quelque chose de plus personnel. J'ai eu l'idée de Alone Together à 2h du matin pendant les vacances. Je me suis réveillé et je me suis mis à écrire. Et donc, la série est venue comme ça. J'avais déjà dans la tête, je voyais 7 personnages. Et puis, l'histoire est venue après. Donc on commence déjà à prendre un peu de retard parce que l'épisode devait sortir donc le 28 septembre. Mais normalement il devrait sortir en octobre. Je vais pas dire de date, comme ça on sera sûr qu'il sortira le jour où il faudra. Hein. Même si on compte enchaîner les tournages dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude, on se retrouve avec plus de bêtisiers que d'épisodes. Mais bon, je crois que c'est pas pour déplaire à certains. Voilà, voilà, tu vois, elle avait commencé à bien le faire et à pas lire sur ses mains. Attends, j'ai rien marqué sur mes mains, c'est pas vrai, c'est un menteur. Donc en espérant que la série vous plaira. Choco. Et rendez-vous dans le premier épisode de Alone Together.